بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصواب ومرسي الله سبحانه وتعالى de cette rencontre et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder al-ikhlas, la sincérité et al-sawab, le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم لا يخفى عليكم أننا مستقبلين شهرا عظيما أي شهر رمضان المبارك بيننا وبينه أيام قلائل. Comme chacun d'entre vous le sait, nous allons bientôt accueillir un mois béni, un mois important pour Allah subhanahu wa ta'ala et aussi un mois important pour les musulmans. Entre nous et ce mois, il ne reste que quelques jours. فَمَوْضُوعُ الْحَدِيثِ مَعَكُمُ الْيَوْمِ كَيْفَ نَسْتَقْبِلُ شَهْرَ رَمَضَانِ وَكَيْفَ نَعِيشُ هَذَا الْمَوْسِمَ الْعَظِيمِ. C'est pourquoi le thème, le sujet aujourd'hui choisi, c'est comment allons-nous accueillir le mois du Ramadan et comment nous allons vivre ce mois. وقبل الشروع في هذا الموضوع سأذكر أمورا تتعلق بهذا الشهر وهي ثلاثة أمور. Et avant de commencer et de parler sur la façon dont le musulman doit accueillir le mois de Ramadan et la façon dont le musulman et la musulmane doivent vivre ce mois béni, je vais rappeler trois points importants qui sont en relation directement avec le mois de Ramadan que chacun d'entre nous doit connaître et que chacun d'entre nous, j'espère, connaît. Awalan, hukmu siyami Ramadan. Tout d'abord, le premier point, c'est quel est le statut de jeûner le mois de Ramadan. فلا يخفى عليكم أن صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة إذ هو أحد الأركان الإسلام ومبانيه العظام فهو ركيزة من ركائز الدين وركن من ركن ركين من هذا الدين. Comme chacun d'entre vous le sait, le Ramadan, le jeûne du mois du Ramadan, a été instauré par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un fondement et un pilier essentiel et important dans cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit au peuple avant vous, aux gens avant vous.
un jour déterminé, un nombre déterminé de jours, afin que vous ayez la crainte d'Allah, at-taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي صوم رمضان. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran aussi, le mois du Ramadan, c'est le mois durant lequel nous avons descendu le Coran comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et quiconque parmi vous est présent durant ce mois, qu'il le jeûne. Voilà les versets qui rendent le jeûne du mois du Ramadan obligatoire. Amma sunna, quant à la sunna, fa fi sahih al-Bukhari wa Muslim, an ibn Umar radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, buniya al-Islam ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التوحيد أولا والتوحيد قبل كل شيء وكل شيء بعد التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari wa Muslim, d'après Ibn Umar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam repose sur cinq piliers. Le premier des piliers de l'islam est le plus important, et c'est le pilier avant tout pilier, et toute chose vient après ce pilier, c'est shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Deuxièmement, accomplir la prière. Troisièmement, donner la zakat. Quatrièmement, accomplir le hajj, et cinquièmement, faire le jeûne du mois du Ramadan. والإمام البخاري ومسلم خرج في صحيحيهما عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ثم قال الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام وهذا هو الشاهد من الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال الأعرابي أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الله ثم قال الأعرابي والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, un bédouin est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la tête découverte. Et il a dit, Ya Rasulullah, informe-moi des obligations de la prière qui m'est obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu dois faire les cinq prières par jour. Et si tu veux faire des prières surrogatoires, tu peux le faire. L'homme a dit, Ya Rasulullah, informe-moi du jeûne obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne obligatoire est le jeûne du mois du Ramadan. Et si tu veux faire un jeûne surrogatoire, fais-le. L'homme a dit, Ya Rasulullah, informe-moi de la zakat obligatoire. Et le prophète sallam lui a expliqué les rites de l'islam. Et ensuite l'homme a dit, il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Ya Rasulullah, je ne rajouterai en rien et je ne diminuerai en rien de ce qu'Allah a rendu obligatoire. Et lorsque l'homme est parti, le prophète sallam a dit, cet homme rentrera au paradis s'il est véridique et s'il fait ce qu'il tient. Entre parenthèses, ce hadith ne veut pas dire que la personne se limite aux cinq piliers de l'islam et elle délaisse les autres prescriptions, puisqu'il existe d'autres prescriptions dans l'islam, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Les savants ont expliqué ce hadith. Ils ont dit « Man hafaza ala usul ala hadi al-arkan al-khamsa sahula alayhi » al-muhafaza ala l'islam kulli.
savants ont expliqué que celui qui prend garde, qui prend attention, qui s'applique à exécuter ces cinq piliers de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter d'appliquer la religion dans sa totalité. Et c'est comme ça que cette personne sera véridique, et c'est comme ça que cette personne méritera de rentrer au paradis. واجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الله فمن أنكر وجوبه كفر فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. Et tous les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, tous les savants d'islam parmi les a'imma, par les salaf salih, sont unanimes, de manière catégorique, sur le caractère obligatoire de jeûner le mois de Ramadan. Et que celui qui renie l'obligation, pas celui qui délaisse le Ramadan, celui qui renie, qui ne reconnaît pas l'obligation du mois de Ramadan, après que la vérité lui soit parvenue, et qu'on lui a expliqué cette chose qui fait partie, qui est attachée à l'islam, s'il ne se repent pas de ça, wal'iyadu billah, il sera tué et va mourir kafir. Qu'Allah nous en préserve et qu'il préserve les musulmans. Ça, c'était le premier point que je voulais rappeler, parmi les trois. Le deuxième point, avant de rentrer dans le sujet, يعني تاريخ مشروعية صوم رمضان. اعلموا يا عباد الله أن الصيام له تاريخ. Deuxième point, c'est l'historique du jeûne, de l'année, dont la façon le jeûne a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Il existe une histoire que le musulman doit connaître, puisqu'il s'agit d'un pilier de l'islam. فَفُرِضَ الصِّيَامِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ تِسْعَ سِنِينَ وَكَانَ فَرْضُ الصِّيَامِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ. Le jeûne du mois du Ramadan a été rendu obligatoire la deuxième année de la Hijra. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 mois le Ramadan. 9 fois Ramadan. Et le jeûne du Ramadan, il a été prescrit en deux étapes. Yani marhalatain, deux étapes. Al-marhalatul oula, at-takhir bayna as-sawmi wal-iftar ma'a tafdili as-sawmi alayh. La première étape, c'est le choix entre jeûner ou celui qui ne jeûne pas, il nourrit un pauvre. Sachant que la préférence était de jeûner. لما كان فطن الأنفس عن شهواتها وحجبها عن مألوفاتها من أصعب الأمور تأخر فرض الصيام إلى سنة الثانية من الهجرة ولما توطنت القلوب على التوحيد وتعظيم شعائر الله نقلت إليه بالتدريج فبدأ به على التخيير مع الترغيب في صومه لأنه قد شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم فكان من أراد أن يفطر ويفدي فعل قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc la première étape du jeûne du Ramadan, c'est, vu la difficulté que de sevrer les âmes de leurs désirs et de leurs habitudes, la prescription du jeûne de Ramadan, elle arrivera, comme on l'a dit tout à l'heure, la deuxième année de l'Hijra. Lorsque les cœurs furent, yani, lorsque les cœurs furent, ont grandi sur le tawhid, furent familiarisés au tawhid, et ils furent familiarisés à la vénération des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le jeûne fut prescrit de manière graduelle. Au départ, c'était un culte laissé au choix. La personne avait le choix. Soit elle jeûnait, ou si elle ne jeûnait pas, elle donnait une compensation, elle nourrissait un pauvre. Mais la préférence était de jeûner. Parce que lorsque le jeûne a été prescrit aux sahaba du prophète, c'était un acte,
c'était pour eux terrible, c'était pour eux pénible. Le jeûne était pénible pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier verset qui est descendu, il dit, quiconque d'entre vous est en voyage ou est malade. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Qu'il jeûne un nombre équivalent de jours à un autre moment. وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينَ. Et celui qui peut le jeûner, mais qui ne souhaite pas jeûner, parce qu'ils avaient le choix encore, فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينَ ou فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ dans une autre lecture. Qu'il donne en compensation une nourriture pour un pauvre. Et si quelqu'un fait cela de son propre gré, c'est mieux pour lui de jeûner. وَأَنْتَ صُومٌ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ça, c'était la première étape du jeûne. الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ تَعْيِينُ الصِّيَامِ بِدُونِ تَخْيِيرٍ. La deuxième étape du jeûne, c'est تَعْيِينُ أَصْبَحَ الصِّيَامُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ. C'est que le jeûne, il est devenu obligatoire pour tout musulman et tout musulmane, avec ses conditions, avec les personnes qui sont concernées, sans autre choix. Tu n'as que le choix de jeûner, sauf si tu es exempté de jeûne pour des raisons particulières. ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها أخبر الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر وسلمة ابن الأوكع في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري ومسلم قال يعني هذان الصحابيان نسخت الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم هذه الآية نسخت التي ذكرناها آنفا. وعن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فأمروا بالصيام رواه البيهقي بسند صحيح. Donc la deuxième étape du jeûne du mois de Ramadan, dans la façon qu'il a été légiféré, c'est l'obligation pour tout le monde de le jeûner. Et c'est le verset suivant qu'on va lire maintenant, où Allah Azza wa Jal dit « Quiconque d'entre vous est présent durant ce mois qui le jeûne, c'est ce verset-là qui a abrogé le verset qu'on a cité tout à l'heure, qui dit qu'il laisse le choix entre jeûner, ou pour celui qui peut jeûner et qui ne veut pas jeûner, nourrir un pauvre. » Comme ça a été rapporté par les deux compagnons, les nobles compagnons du Prophète sallam, Abdullah ibn Umar et Salamatu ibn al-Awka' dans Sahih al-Bukhari et aussi dans Sahih al-Bukhari wa Muslim. Ils ont dit ce verset fut abrogé par le suivant. C'est durant le mois de Ramadan que le Coran est descendu jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla dit et quiconque d'entre vous est présent durant ce mois qu'il jeûne. Et Ibn Abi Layla a dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont transmis. Ils ont dit les compagnons le jeûne fut prescrit mais il nous fut pénible. Le jeûne, dans la condition dans laquelle ils sont, c'est un pays chaud, ça a été très pénible pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui, pour chaque jour, nourrissait un pauvre, délaissait le jeûne, surtout s'il le supportait difficilement. Et cela était permis au début. Puis, cette façon de faire, elle a été abrogée par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et je n'ai que celui qui est présent durant ce mois, le mois de Ramadan, qu'il jeûne. » Et à partir de ce moment-là, le jeûne est rendu obligatoire. Et c'est à partir de ce moment-là que le jeûne est devenu le deuxième pilier, le quatrième pilier de l'islam et un fondement très important de notre religion. Le troisième point qu'on va citer avant de commencer de parler comment vivre le mois du Ramadan, c'est, yani, surtout dans les temps qui courent, c'est une ambiguïté qu'on va enlever. Certaines personnes disent l'islam c'est une religion difficile. C'est difficile pour les hommes, c'est difficile pour les femmes, c'est difficile pour les enfants. Non, ce qu'il faut. Min qawa'id hada ad-din anna al-islam mabniyun 'ala al-yusri wa al-taysir.
troisième chose que je vais rappeler, c'est que l'islam, il est basé sur la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir révélé le verset du jeûne, il clôture le verset du jeûne en disant يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِنُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il clôture le verset du jeûne en nous rappelant un principe de l'islam. يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. لِهَذَا أَبَاحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُمُ الْفِطْرَ رَحْمَةً بِهِمْ وَتَيْسِيرًا عَلَيْهِمْ. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a permis à la personne âgée, à la personne au voyageur, à la personne malade, à la femme, aux personnes âgées, aux vieillards, à la femme enceinte ou à la mère nourrice, à toutes ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a permis al-fitr, il leur a permis de rompre le jeûne, de ne pas jeûner. Comme rahma, comme miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, et comme facilité pour cette communauté. Certains d'entre eux feront ce qu'on appelle al-qada et rattraperont un nombre équivalent de jours ratés à un autre moment de l'année. Et pour certains d'entre eux qui ne peuvent pas jeûner continuellement, yani ils vont faire al-fidya. Ils vont donner une rançon, yani it'am miskin. Ils vont donner la nourriture à un pauvre. Et d'ailleurs, même dans la façon dont le jeûne a été légiféré de manière graduelle, on voit que l'islam, il est basé sur la rahma, il est basé sur la miséricorde et il est basé sur la facilité. Bien sûr, la facilité là où Allah subhanahu wa ta'ala a mis une facilité basée sur des textes du Coran, sur des textes du prophète et sur laquelle les savants sont unanimes ou sont nombreux à prendre cette voie. C'est pas une facilité yani basé pour faciliter aux gens et tendre vers ce qu'ils veulent entendre et ce qu'ils veulent faire. La hada la yajouz. D'ailleurs, c'est pourquoi au moment de la rupture du jeûne, les compagnons du prophète au début, ils pouvaient manger, boire et avoir des rapports sexuels tant qu'ils ne dormaient pas. Et si l'un d'entre eux s'endormait avant d'avoir mangé, il ne pouvait rien faire de tout cela jusqu'au lendemain après al-Maghrib. Mais la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les a englobés et Allah azza wa jal il leur a autorisé à avoir des rapports sexuels la nuit et de manger et de dormir même après avoir dormi pendant la nuit. Et cette histoire est détaillée dans Sahih al-Bukhari et c'est rapporté par al-Bara qui dit radiyallahu anhu kana ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha kana ar-rajul sa'iman fa hadara al-iftar fa qama qabla an yuftir لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. Il dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils jeûnaient, lorsque l'un d'entre eux jeûnait, si au moment de jeûner, il se levait et ne mangeait pas et s'endormait, il ne pouvait plus ni manger ni durant la nuit, ni la journée suivante jusqu'au maghrib du lendemain. وإن قيس ابن سرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك شيء. Donc سرمة قيس ابن سرمة الأنصاري faisait partie de ses compagnons du prophète sallam des Ansar et il a jeûné et le soir il est rentré chez lui pour manger et il a demandé à son épouse de lui rapporter du manger. Elle lui a dit là, elle lui a dit j'ai rien du tout. ولكن أطلب انطلقوا فاطلبوا لك. Je vais partir chercher de la nourriture. وكان يومه يعمل فغلبته عينه. Et cette journée, il a travaillé péniblement et le sommeil l'a pris. C'était plus fort que lui. Et il s'est endormi sans manger. وجاءت امرأته فلما رأته يعني نائما قالت له خيبة لك. Sa femme, lorsqu'elle est revenue pour lui donner à manger, elle l'a vu comme ça en train de dormir, elle a dit « Tant pis pour toi. » فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ.
Ce compagnon, le lendemain, il n'a pas mangé, miskin. Il a travaillé, il s'est évanoui de la fatigue, de la dureté. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. On a informé le prophète sallam de l'histoire de Qais ibn Sulm al-Ansari. فَأَنزَلَ اللَّهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Et ensuite Allah Azza wa Jal, il a descendu ce verset où il dit, on vous a permis la nuit d'avoir des rapports avec vos épouses. Et ils étaient contents lorsque ce verset est descendu. Et ils étaient aussi contents parce qu'Allah Azza wa Jal a descendu et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Yani l'aube de la nuit, du matin jusqu'au soir. Et ceci fut une miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour cette communauté. Autre événement qui montre la rahmat d'Islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas une personne dure envers ses compagnons et ni envers sa communauté. C'est que certains, suite à la révélation où Allah Azza wa Jal dit « وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ » Parce qu'Allah a dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que vous voyez le fil blanc du fil noir. » Certains compagnons ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont dit, ils ont mis un fil. Certains, ils ont mis un fil sous leur coussin. Un fil blanc et un fil noir. Et ils continuent à manger, à boire, jusqu'à ce qu'ils puissent distinguer les deux fils. Et d'autres, ils se sont attachés les pieds, et ils continuent à manger et à boire, jusqu'à ce que ils distinguent les deux fils. Et ça a été rapporté dans Sahih al-Bukhari. An Ali ibn Hatim, radiyallahu anhu, قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما في الليل فلا يستبين لي شيئا فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إنما سواد الليل وبياض النهار. Quand j'ai entendu ce verset, j'ai mis un fil blanc et un fil noir en dessous de mon coussin. Mais le matin, j'ai rien vu du tout. Alors il est parti raconter ça au prophète, il n'a pas compris. Et le prophète Hassan a dit, non, c'est pas ça. Il s'agit de l'obscurité de la nuit et de la clarté du jour. Regardez la façon dont le prophète Hassan, là, lui a expliqué. Et il ne lui a pas demandé de faire le jeûne. Parce que l'islam, il est basé sur la facilité à partir du moment où elle est basée sur le texte. Et aussi, le Bukhari et Muslim rapportent, d'après Sahl ibn Sa'd, قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Et au début, من الفجر, il n'est pas descendu. Allah Azza wa Jal est descendu jusqu'à ce que vous puissiez distinguer, manger et buvez jusqu'à ce que vous distinguez le fil blanc du fil noir. قال كان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أنها تعني بذلك الليل والنهار. Et à partir de ce moment-là, ils ont compris que ce verset signifier le jour et la nuit. Regardez, il y a une faïda à tirer de ce hadith, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Coran descend sur eux, ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle dans le hadith, ils prennent le texte tel qu'il est. Ils ne font pas du ta'wil. Ils prennent zahir al-nas. Ils prennent le texte comme il est venu. Al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Et c'est ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui remet les choses à leur place et leur a expliqué ce que voulait dire ce verset. Mais regardez les compagnons du prophète sallallahu comment ils se comportaient par rapport au Coran et par rapport, ils laissaient aucune place à leur raison. Leur raison, elle était totalement soumise à l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est comme ça que le musulman, il doit réagir. Autre événement aussi, montrant que l'islam, il est basé sur la facilité et que notre prophète est un prophète de miséricorde. C'est l'événement suivant, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim,
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Le prophète nous raconte. Il dit أتى رجل فقال يا رسول الله هلكت Un homme il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Il a dit يا رسول الله je suis perdu. Le prophète a dit وما أهلكك Et qu'est-ce qui t'a perdu Il dit وقعت على امرأتي في يوم رمضان J'ai eu un rapport sexuel avec mon épouse durant le jour du Ramadan. C'est grave. Regardez le prophète Sam comment il se comporte avec cet homme. Sous l'effet de la révélation. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة Est-ce que tu es capable Il ne veut pas dire. Fais. Est-ce que tu peux Ce qui est dans ta possibilité, dans ta capacité d'affranchir un esclave. فقال الرجل لا لما دينا يا رسول الله فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا Est-ce que tu peux jeûner deux mois consécutifs لما دينا يا رسول الله فقال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres Regardez la rahma Il recherche une facilité pour cet homme فقال لا فجلس Cet homme il s'est assis فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني بعرق بطبق فيه تمر On a rapporté au prophète sallam un panier dans lequel il y avait des dattes فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل عفوا تصدق به على فقراء المدينة Il dit prends ce panier et va le donner aux pauvres de Médine فقال يا رسول الله لا يوجد في المدينة أقر مني. يا رسول الله، il n'y a pas dans Médine plus pauvre que moi. فضحك رسول الله فبدأت نواجذه. فبدأت نواجذه. يعني le prophète il s'est mis à sourire. Il s'est pas mis en colère. Il s'est mis à sourire au point que on a vu ses molaires. Et il lui a dit خذه فأطعم أهلك. Il a dit prends-le et va nourrir ta famille. Regardez la rahma sur laquelle est basé l'islam. Ça m'a les basé sur la facilité, pas sur la difficulté, mais la facilité dans les hudoud de sharia. C'est pas on fait du riba par facilité. C'est pas on permet zina par facilité. C'est pas on dit à la personne enlève ton hijab par facilité. Là, c'est pas ça la facilité de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, revenons à notre sujet. Kayfa nastaqbilu hadha ash-shahr al-mubarak? Comment devons-nous accueillir le mois du Ramadan? Yani notre prophète sallam, même lui se préparait à Ramadan. Aïcha radiallahu anha nous rapporte dans le hadith authentique. Elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Sha'ban au point qu'on pensait qu'il jeûnait tout le mois de Sha'ban. Et certains ulama ont tiré de ce hadith la leçon suivante. C'est que le prophète se préparait. Il préparait son âme, il préparait son cœur à l'arrivée du mois de Ramadan. Pour lorsque le mois de Ramadan arrive, il en profite de la meilleure des façons. Parce que malheureusement, face à Ramadan, les gens sont de différentes catégories. Il y a certaines personnes, ils rentrent dans Ramadan, ils sortent de Ramadan comme il est rentré dans Ramadan. Le jour du Eid, il est comme le jour du premier jour de Ramadan. D'autres pires. Ils sortent de Ramadan encore pire. Que le premier jour du Ramadan. D'autres, Ramadan c'est le Habs, c'est Jnoun, c'est une prison pour lui. Pour lui, Ramadan c'est une prison. Quand va finir Ramadan? Et pour le croyant, pour le musulman qui connaît les récompenses et les mérites du mois de Ramadan, il sait que Ramadan, mawsimul khayr wal barakah, c'est une période de bien et de bénédiction. Une période de bien et de bénédiction. فهل نستقبل رمضان بالذنوب والمعاصي أم نستقبله بالطاعات والحسنات؟ هل نستقبل هذا الشهر المبارك بالإكثار من الطعام والشراب أم نستقبله بالصدقات والصيام والقيام؟ فلا بد للمسلم أن يحسن الاستقبال بهذا الشهر المبارك وأن يستعد لهذا القادم الكريم لئلا يفوته الخير العظيم. Est-ce qu'on va accueillir au mois de Ramadan avec les péchés, en faisant les kaba'ir,
en multipliant les péchés? Ou allons-nous accueillir Ramadan en multipliant les bonnes actions, en multipliant les hasanats? Est-ce qu'on va accueillir le mois de Ramadan? Ah, c'est le mois où on va manger le baklawa, le makrout, les sucreries. On va bien manger, on va bien dormir. Ou est-ce que c'est un mois durant lequel on va jeûner, on va préserver notre jeûne? Un mois durant lequel on va passer les nuits à veiller et pas la nuit à dormir. Et on va passer la nuit à donner un sadaqa et à nourrir, à faire rompre le jeûne au jeûneur. Voilà, ça c'est... Le musulman, il doit réfléchir et se préparer à accueillir le mois de Ramadan et à vivre ce mois pour pas que le bien passe devant lui. Ramadan, c'est comme un wagon. Les gens, ils montent dedans, ils vont en profiter. Si tu es dans la situation, que tu es en train de faire des péchés, arrache ce ticket et monte dans le wagon de Ramadan et sois avec les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera, inshallah, de ses bienfaits. Et tu les verras dans cette vie et dans l'autre. Ayyuha al-ikhwat al-fudala, yambaghi lana an nastaqbil hadha al-shahr al-mubarak bi arba'ati umur. Iktafaytu biha. وهناك أمور أخرى ذكرها أهل العلم رحمهم الله وحفظهم الله. Chers frères, ça, ce qu'on doit accueillir, il convient d'accueillir le mois de Ramadan avec quatre choses, quatre points que je vais citer. Il existe d'autres points, mais je vais me limiter à ces quatre points. أولا الأمر الأول الذي به نستقبل هذا الشهر المبارك أن نستقبله بالسرور والفرح والاستبشار ذلكم أن شهر رمضان شهر الرحمة وفضل الله عز وجل ويقول الله عز وجل فبذلك فليفرحوا فيقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوا. La première chose avec laquelle on doit accueillir le mois de Ramadan, c'est qu'on doit être heureux. On doit se réjouir de la venue du Ramadan. C'est un invité qui nous visite une fois dans l'année. Et il vient avec lui et ramène ses bénédictions et ramène ses bienfaits. On doit être content de la venue de ce mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, réjouissez-vous du bienfait d'Allah et de sa grâce. Et le mois de Ramadan est un bienfait d'Allah et une grâce d'Allah. فَالْمُؤْمِنُ يَفْرَحُ بِمَجِئِ رَمَضَانِ إِذْ هَذَا الشَّهْرُ ضَيْفٌ كَرِيمٌ يَزُورُنَا مَرَّةً فِي الْعَامِ وَيَأْتِ وَمَعَهُ الْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ. On doit se réjouir de ce mois, de cette période. Ramadan, c'est comme un souk, un marché. Il y a des gens qui seront gagnants et d'autres qui seront perdants. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-fa'izina fi hadha ash-shahr al-mubarak. On demande à Allah azza wa jalla de faire de nous des gagnants et pas des perdants durant ce mois. Et pourquoi on doit se réjouir des bienfaits de Ramadan? Lianna Ramadan shahru khayrin wa barakah. حباه الله عز وجل بفضائل كثيرة وخصائص لا توجد في الشهور الأخرى. Parce qu'Allah عز وجل a gratifié le mois de Ramadan de bienfaits et de spécificités qui n'existent pas dans les autres mois. Tu peux chercher, tu ne trouveras pas les bienfaits du mois de Ramadan dans les autres mois de l'année. Je vais vous en citer trois. أولا شهر رمضان شهر القرآن. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Le Coran n'est pas descendu pendant Rajab, ou pendant Sha'ban, ou Jumad al-Awwal, ou Jumad al-Thani. Non, le Coran est descendu durant le mois de Ramadan. Anzal Allah subhanahu wa ta'ala kitabahu al-majid, hudan lil-nas, wa shifa'an lil-mu'min, yahdi lil-lati hiya aqwam, wa yubayyin sabil al-rashad. في ليلة القدر من شهر رمضان يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، والضمير هنا يعود إلى القرآن، أي إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر. Donc Allah عز وجل a révélé son livre comme guidé pour l'humanité et comme guérison pour les croyants. Et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala guide vers le plus juste des chemins et vers le plus droit des chemins. Et cette révélation a eu lieu durant l'ayl, pendant Ramadan, durant la nuit du destin, Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le mois du Ramadan est le mois durant lequel nous avons descendu le Coran. Allah dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan ta'ammal wa intabih. Yaqul Allah 'azza wa jalla ba'da dhalika faman shahida minkum ash-shahr wa hunaka fa'idah wa'lam akhi barakallahu fik anna wasf shahr Ramadan bi anna unzila fihi al-Qur'an wa bina'a ما بعده عليه بحرف فاء التي في اللغة العربية تفيد التعليل والسببية في قوله فمن فمن شهد منكم شهر يفيد بطريق الإيماء إلى علة أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه. Sache, cher frère, que le fait de décrire le mois de Ramadan comme étant la période durant laquelle le Coran fut révélé. Et de commencer la phrase où Allah dit, Allah Azza wa Jalla dit, le mois du Ramadan est le mois durant lequel nous avons révélé le Coran. Jusqu'à ce qu'il dit, Faman. Fa en arabe signifie donc. Donc celui qui est présent durant ce mois qui le jeûne. Ceci indique quoi? Yani, et de commencer la phrase qui suit par Fa, qui indique la cause en arabe. Donc, quiconque parmi vous est présent durant ce mois qui le jeûne, cela fait allusion à la raison du choix du Ramadan comme le mois du jeûne. Quelle est cette raison? Il s'agit de la révélation du Coran durant ce mois. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah a descendu le Coran du mois de Ramadan, qu'il l'a choisi pour être le mois du jeûne. وَقَطَّحَ عَلِي بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال في الأثر أنزل الله أو أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في شهر رمضان ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منجما حسب الوقائع. ابن عباس rapporte dans le Athar authentique, il dit le Coran est descendu d'un coup du Lawh al-Mahfouz, des tables protégées, il a Bayt al-Izza, qui se trouve au premier ciel. Et ensuite, du premier ciel, il descendait sur le prophète pendant les 23 années de la prophétie, selon les événements et comme Allah Azza wa Jal a décidé qu'il descende. Ça, c'est la première chose qui montre que le musulman doit se réjouir du mois de Ramadan. C'est que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Deuxième chose et particularité du mois de Ramadan pour laquelle on doit se réjouir, أن في هذا الشهر تسفد فيه الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. ففي هذا الشهر المبارك يقل الشر في الأرض. يقل الشر في الأرض حيث تصفد وتشد مرضة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد فلا يخلصون إلى إسفاد الناس كما كانوا يخلصون إليه في غيره لانشغال الناس بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن وسائر العبادات التي تهذب النفوس وتزكيها. قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة من رمضان تحصيل المرء تقوى الله عز وجل.
la deuxième spécificité durant ce mois et pour laquelle on doit se réjouir, c'est le premier point avec lequel on accueille le mois de Ramadan, c'est se réjouir de la venue du Ramadan, c'est que durant ce mois, les diables sont enchaînés. Les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et durant ce mois, tu constateras que le mal diminue sur terre. Les gens, sans aucune invitation, viennent à la mosquée. Les gens, toute l'année, tu lui parles de venir à la mosquée, de pratiquer sa religion, il ne vient pas. Pendant le mois de Ramadan, il vient tout seul. Tu connais le chemin, il vient. Tu le vois au premier rang pendant tout le mois de Ramadan. Parce que durant ce mois, les djinns rebelles et les shayatines sont attachés de chaînes et de carcans. Et ils sont incapables de corrompre les gens comme ils le font durant les autres mois. Pourquoi ? Parce que les musulmans, durant ce mois, ils sont préoccupés par le jeûne. Ils sont préoccupés par le jeûne qui réprimande les shahawat. Les shahawat, pendant ce mois, diminuent. Et ils sont occupés par la lecture du Coran et par beaucoup d'autres adorations qui purifient l'âme et qui l'éduque. Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs dit à propos du jeûne, et c'est la raison pour laquelle le jeûne a été légiféré, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux gens avant vous. Pour quelle raison ? La'allakum tattaqoun, pour avoir la taqwa. لذلك تغلق أبواب جهنم وتفتح أبواب الجنان لأن العمل الصالح فيه كثير والكلم طيب فيه وفير. C'est pourquoi pendant le mois du Ramadan, les portes de l'enfer se ferment, les portes du paradis s'ouvrent, vu l'abondance des bonnes actions et des bonnes paroles. Troisième spécificité du mois de Ramadan, qui nous oblige, Wallah, qui nous oblige à être heureux et d'être content et de se réjouir de la venue du mois de Ramadan, أن رمضان فيه ليلة القدر أن رمضان فيه ليلة القدر التي عظم الله شأنها وأخبر أنها خير من ألف شهر فهي تعادل ثمانية وثمانين يعني 83 عاما يقضيها المسلم بالطاعة والعمل الصالح. Wallahi man hurima khayraha faqad hurim. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. La troisième spécificité du mois de Ramadan, c'est que dans ce mois de Ramadan, il y a Laylatul Qadr. Ne recherche pas Laylatul Qadr pendant Rajab, ou pendant Sha'ban, ou pendant autre mois. Ne recherche là que pendant le mois de Ramadan et durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan et plus dans les nuits impaires. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé cette nuit par rapport aux autres nuits. C'est la meilleure nuit de l'année, comme Arafat est le meilleur jour de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que cette nuit est mieux que 1000 mois, ce qui équivaut à 83 années que le musulman passe dans l'obéissance d'Allah et en multipliant les bonnes actions et les formes d'adoration qu'Allah aime et agrée. C'est pourquoi celui qui est privé de cette nuit est un homme privé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans le hadith Bukhari et Muslim, d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui veille la nuit le qadr, dans la prière, dans toutes les formes d'adoration, il sera pardonné de tous les péchés qu'il a fait précédemment. Donc le mois du Ramadan est une période de bien et de bénédiction. C'est pourquoi, wallah, mes frères, il convient de se réjouir de la venue de ce mois. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à ses compagnons la venue de ce mois. Et les savants, il nous a été rapporté de eux que les compagnons du prophète et les salaf salih invoquaient Allah Azza wa Jal 6 mois avant Ramadan qu'Allah leur fasse parvenir le mois de Ramadan. Et lorsque Ramadan passait, pendant 6 mois, ils invoquaient Allah d'accepter leur Ramadan.
Allah, celui qui réfléchit, il passait l'année, toute l'année, il a vécu avec le mois de Ramadan. Ça, c'était le premier point avec lequel on doit accueillir le mois du Ramadan, c'est Al-Farah, ou Al-Istibshar, ou Al-Sour. On doit être content, joyeux, se réjouir de la venue du mois du Ramadan. الأمر الثاني الذي به نستقبل هذا الشهر المبارك بالتوبة النصوح والتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي حيث إن الذنوب والمعاصي سبب حرمان العبد من خير الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولا مصيبة أعظم من الحرمان من حرمان العبد من غفران الله في هذا الشهر المبارك اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام البيهقي في سننه والإمام أحمد في مسنده والإمام ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبر فقال آمين 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 فقيل يا رسول الله صعدت المنبر فقلت آمين 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 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخبرني أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين 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 نسأل الله العافية. Le deuxième point avec lequel on doit accueillir le mois de Ramadan, c'est on doit l'accueillir avec tawba, avec le repentir et l'istighfar, avec le repentir et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de tous les péchés, toute forme de péché. Parce que sachez, mes frères, que les péchés privent la personne des biens de cette vie et de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et tout musiba, toute catastrophe qui vous arrive, tout problème qui vous arrive, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Tous les péchés qui nous arrivent, c'est dû à ce qu'on a fait comme toute catastrophe qui nous arrive, c'est dû à cause de nos péchés. Ça fait même partie de l'aqidah, les imams, le site dans le bab de l'aqidah. Et il n'y a pas plus grande catastrophe. Pas plus grande catastrophe que sortir du mois de Ramadan en étant privé de Ramadan. En étant privé du pardon d'Allah Azza wa Jal dans Ramadan. Écoutez ce hadith authentique et ce hadith effrayant. Rapporté par Al-Bayhaqi et rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih et par l'imam Ahmad dans Musnad, Abu Huraira dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et il a dit Amin, Amin, Amin. C'est la parole qu'on dit lorsqu'on fait une dua. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, Rasulullah, tu es monté sur le minbar, tu as dit Amin, pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Jibril est venu. Jibril, il ne vient pas pour rien, mes frères. Il vient pour quelque chose de grave ou d'important. Jibril est venu et m'a dit que celui qui vient, qui est présent durant ce mois et qui sort de ce mois sans être pardonné et sans rentrer au paradis, qu'il soit éloigné et qu'il rentre en enfer. Dis Amin au Mohammed. Et le prophète Samad dit Amin, Amin, Amin. C'est pourquoi il faut profiter de ce mois pour demander pardon à Allah Azza wa Jal. Ce mois est le mois du pardon. Et le mois où on est affranchi par Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi fi kulli laylatin min ramadan utaqaa min an-nar. Dans le hadith rapporté par Tirmidhi et le Cheikh Albani a rendu ce hadith Hassan, il est dit, quelqu'un va appeler, va crier, va dire chaque nuit va dire Ya Bari al Khairi Akbil, ô celui qui veut faire le bien, viens. Ya Bari al Sharri Adbir, ô celui qui veut faire le mal. On ne va pas lui dire dégage. On va lui dire arrête.
Et il dira cette personne, celui qui va crier, dira, et chaque nuit du Ramadan, il y a des affranchis, des gens qui seront affranchis par Allah de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala an yu'tiqa liqabana wa liqaba ummahatina wa abaina wa awladina min an-nar. Qu'Allah nous affranchit toutes nos familles et tous les musulmans de l'enfer. C'est pourquoi il faut profiter du mois de Ramadan pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nos péchés. Parce que c'est un mois où tout est facilité. Et le prophète s'est dit At-ta'ibu min ad-dambi kama la dambala. Celui qui demande pardon avec les conditions que les savants ont expliquées, celui qui se repent en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si il n'avait jamais fait de péché. Ça a été effacé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit ton égarement, quel que soit ton éloignement des prescriptions d'Allah, de la religion d'Allah, la porte de Tawba est toujours ouverte. Tant que tu ne meurs pas, ma lam yugharghir dans un hadith, tant que l'âme n'arrive pas ici, à la gorge, ne sort pas. Tant que le ciel, le soleil ne se lève pas au sens opposé. C'est pourquoi il faut profiter du mois de Ramadan pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nos péchés. Écoutez ce hadith rapporté par Muslim d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'Allahu ashaddu farahan min ahadikum hina yatubu ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala est heureux et content lorsque l'un de ses serviteurs se repent à lui, kar rajul min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah bi ardin sahra fanfalatat minhu rahilatuhu wa alayhi وعليها شرابه وطعامه. Et il est dans le Sahara avec sa bête. Sur sa bête, sur sa monture, il y a ses provisions, sa nourriture. Il est en plein Sahara.